Kwa jina la Bwana Yesu Kristo tunakupikia asanti. Mangaribi Mungu tunakuhitaji katikati yetu. Ujifunule kwetu, tukumafaya kukujua vile napashi kukujua. Hakuna namna kujua u Mungu kama ujifunule kwetu. Utufunulie manja ya wokovu, kila mtu apate kuigonja Seigneur. Ulitupatia malako iku mingi ndani ya Biblia. Patia bati kila mtu kwa imani apate kuionja Seigneur. Tunaanza kusoma neno lako na kuitangaza Seigneur. Kwa shebenye hatutaweza kitu. Tunahitaji neema yako Seigneur ituzunguke. Sauti yako inasema unatejitoa ndani ya Mungu utamrudishia nguvu mara nyingine. Utuwezeshe magharibi, ni wewe Mungu tunafuata. Tunakusanyika chini ya jina ya Yesu Kristo, chini ya ile damu iliyomwagika msalaba, upate kutusamehe makosa yetu Seigneur. Tuko batu woku Mungu. Tuko biumbe woku muumbaji. Tuko bakosefu woku mkamilifu Seigneur. Uponye bagonjwa bote katikati yetu kwa sababu utena Mungu wa matunzo. Upatie bujima milele mwenye anaikosa. Sifa rudi kwako katika jina la Yesu Kristo tunakuomba. Amen. Tutasimama juu. Allons tenir debout. Na tukunasoma neno la Mungu. Allons lire la parole de Dieu. Des chroniques. Mambo ya siku ya pili. Des chroniques chapitre 20. Mambo ya siku ya pili sura yake ya 20. Verset 15. Ça va combien attendre? Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Na Jacaziel a kasema, mutegerisiki yo mui bakaji bote ba muyuda na ba mu Jerusalema. Et toi, roi Josaphat. Na we mufalme Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ivi wa milele kona misemezea. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Usiongope na mushitetemeke mbele ya babantu mingi. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Njo aina moye mutakombana ni Mungu njo atapigana. Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Que Dieu bénisse ses paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Vous pouvez vous asseoir. Tukunendelea na kusoma. Nous continuons à lire. Le verset 17. Musari ya 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Amusta pigana ndani ya imambo. Présentez-vous, tenez-vous là. Mwe mujioneshe mushimame pale. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Na mutaona ile uponyaji wa milele atamiletea. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Yuda na Jerusalem mshogope. Et ne vous effrayez point. Na mushitetemeke. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Kesho mwende mkakutane nabo na wa milele atakuwa pamoja nanyi. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Josaphati yakaina mausu chini. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Na Juda yote na bakaji bote ba Yerusalem bakanguka mbele ya milele njoo ya kusujudu mbele ya uwepo wake. Le verset 20. Musari ya 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Kesho yake asubuhi na mapema bakaamuka njoo ya kwenda kule jangwa ya Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Mukwenda kwabo Yosafati akashimama na kusema: Écoutez-moi, Juda, habitant de Jérusalem. Munisikie Juda mwe bakaji ba mu Yerusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mumutumainie wa milele Mungu wenu na mtashikamanishwa. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Mumutumainie bana bibake na mtaweza. Amen. Amen. Tutasoma tena. Nous lirons encore. Des chroniques. Mambo ya siku ya pi. Chapitre 36. Sura yake ya 36. Verset 15. Sura ya 15.
L'Éternel, le Dieu de leur père, wa milele Mungu ya baba yavo, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir. Akapatia bale batumwa kazi ya kwenda kubakalamusha. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Jo alipenda kuepusha taifa yake na makao yake. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Walakini bakanza kuchekelea bale Mungu alituma. Ils méprisèrent ses paroles. Bakazarau maneno yao. Et ils se raillèrent de ses prophètes. Na bakanza kuchekelea bale banabii. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Ti na paka pale kasirani ya wamilele njua taifa yake ikakuya bila dawa. Nous continuons à parler sur les prophètes. Nous vous avons dit que la parole de Dieu vient d'abord aux prophètes. Israël était le peuple de Dieu choisi parmi toutes les familles de la terre. Israël alikuwa taifa ya Mungu ile Mungu alichakula katikati ya majamaa yote ya ulimwengu. Et Dieu lui envoyait les prophètes. Na Mungu alianza kumtumia manabii. Amen. Quand Dieu aime un peuple, wakati Mungu anapenda taifa moja fulani, il lui envoie toujours sa parole. Anaitumiaka kila mara neno yake. Et le thème d'aujourd'hui que nous poursuivons, na kishina ya leo kile tutaendelesha, il dit Israël rejetant les prophètes. Ile dudanza ni Israeli anatupa nabii. Amen. Nous l'avons dit depuis hier. Tulisema tangia jana. Israël rejetant les prophètes. Israël anatupa nabii. Et cela nous l'avons lu depuis le livre du prophète Amos. Na ile tulisoma tangia mkitabu kya nabii Amosi. Nous avons lu aussi dans Matthieu chapitre 23. Na tulisoma tena mu Matayo 23. On peut relire Matthieu 23. Nezi kusoma Matayo sura ya 23. Le verset 28. Musari ya makumi mbili na mnane. Là nous lirons jusque à la fin. Utasoma paka kumwisho. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes. Mwe vile vile inje muku naonekana kama bantu benye haki. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Walakini ndani yenu munajazwa na unafiki na uovu. C'est ainsi que le Seigneur s'adressait aux pharisiens. Jo vile Bwana aranza kuambia bale ba farisayo. Et aux scribes. Na bale ba andishi. Il dit vous de même. Anasema moye vile vile. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Inje muku naonekana benye aki mbele ya bantu. Mais au dedans de vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Kwa lakini ndani yenu musha kujazwa na unafiki na uovu. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. Ole kwenu moye bandishi na bafarisayo banafiki. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Nju mukuna jenga ile makaburi ya banabii na mukuna penta ile makaburi ya banabii. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la musique de vos pères. Race de vipères, serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la hyène? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de vierges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus
sur la terre. Juu yulu yenu kuanguke ile damu ya bantu bashonkosa ile rimwangika pa dunia mzima. Depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Tangia kutokea damu ya Abeli ule mwenye yake paka na damu ya Zakaria mtoto ya Barashi. Que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ule muriwa katikati ya ekalu na mazabao. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Namiambia kwa ukweli ile mambo yote itangukia pa hii kizazi. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Yerusalemu, Yerusalemu huku na uwa banabii. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Na huku na pika maibwe bale beko na kutumia. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Marangabi nilipenda kukusanya batoto yako sa vile nkuku anakusanyaka batoto yake chini ya mabawa yake. Et vous ne l'avez pas voulu. Na amkupende vile. Voici votre maison sera laissée déserte. Tazama nyumba yenu itachiriwa kama jangwa. Car je vous l'ai dit, vous ne verrez plus désormais. Tazama na mionesha hapa sasa mstaona kamwe. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baka pale mutasema abarikiwe ule eko na kuja mujina la Bwana. Car je vous l'ai dit. Ju na mionesha. Vous ne me verrez plus désormais. Amustanyona katena kamwe. Jusqu'à ce que vous disiez. Baka pale mutasema. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Abarikiwe yule eko na kuja mujina la Bwana. Ula ranzu kusema hivi kwa Israeli ni Bwana wetu Yesu Kristo. Celui qui tenait ses propos devant Israël, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa nabii. Notre Seigneur Jésus-Christ fut prophète. Ashukukua paka nabii alikuwa Mungu wa manabii. Il n'était pas seulement prophète, il était aussi le Dieu des prophètes. Mais wakati alikuwa mukazi ya wokovu hapa chini kufuatana malako ya Mungu. Mais lorsqu'il était dans l'œuvre du salut ici sur la terre selon les promesses divines. Tulionesha masiku ya nyuma seme yulu yake alikuwa na makazi mabutumishi ine. Nous avons montré les jours passés que il avait quatre ministères. Aliitwa mwana wa Mungu. Il fut appelé fils de Dieu. Anaitwa mwana wa mtu. Il est appelé fils de l'homme. Anaitwa mwana wa Daudi. Il est appelé fils de David. Ishwa anaitwa mwana wa Abraham. Et puis il est appelé fils d'Abraham. Amen. Amen. Mais wakati alikuya juu ya wokovu. Mais lorsqu'il était venu pour sauver. Alipasha kuhubiri neno la Mungu. Il devait prêcher la parole de Dieu. Il devait parler sur le salut. Parce que l'Écriture dit que le salut dont nous prêchons, d'abord lui-même a commencé à le prêcher. Donc nous ne sommes pas les premiers à prêcher sur ça. Il fut le premier à prêcher sur le salut. C'est ce que les Écritures nous disent sur ce point-là. Hébreu chapitre 2. Hébreu sura qui a piri. Tout en y a parlé. Nous commençons au premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Na kama kuvunja kwa neno kote na kukosa kutii kulipokea malipo yayo. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je tunezi kuepuka mukuzarau hiyo kovu mkubwa. Qui annoncé d'abord par le Seigneur lui-même. Ile Bwana yeye mwenyewe alianza mbele kutangaza. Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Na habari twakikishia hiyo kubale barishikie. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Mungu ariendelea kuhakikisha ushuhuda yabo kupitia maalama, ma miujiza na maishara ya mingi. Amen. Amen. Hapa tunashikia seme hiyo kovu tunahubiri mbele ye mwenye Bwana Yesu alihubiri. Là on vient de nous dire que le salut dont nous prêchons d'abord le Seigneur lui-même a commencé à le prêcher. Amen.
Na maandiko nasema kumbi kama tunatupa okovu munene sa hii. Et les écritures disent que si nous rejetons un si grand salut comme celui-là, il est mwenye alitangaza na kuhubiri. Celui-là dont lui-même a d'abord annoncé et prêché. Aduta epuka kumupanga ya Mungu. Comment échapperons-nous au jugement de Dieu? Amen. Amen. Mais kama tunarudia kumuanzo ya miandiko. Mais si nous revenons au début des écritures. Maandiko kuna tuambia seme kwa hivi tunapata kulamata sana kumasauti tulishikia. Les écritures nous disent que c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Juu tushipepelushe mbari na vile tulishikia. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Mtoto wa Mungu anashikiaka masauti ya Mungu. Un enfant de Dieu comprend la parole de Dieu. Na hivyo naomba Mungu ampatie maana ya ile masauti. Et il demande à Dieu que Dieu lui donne l'essence de ces paroles là. Na kama mtu yuko na roho ya Mungu yuko nasoma neno la Mungu au kuisikia. Et si un homme est rempli de l'esprit de Dieu et qu'il lit ou écoute la parole de Dieu. Yuko naishikia na angalisho ya upekee. Il est en train d'écouter cela avec une attention particulière. Sasa hivi tunabane tuandikia pa ifu. Comme on vient de nous l'écrire ici. Les Écritures disent, comme nous vivons dans un temps mauvais, nous vivons dans les derniers temps. Nous vivons les jours qui précèdent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que les jours qui vont précéder la venue de Jésus seront des jours très mauvais. Parce que ça sera des jours de grandes séductions. Ça sera des jours de ténèbres spirituelles. Ça sera des jours de faim spirituelle. Toutes les paroles prophétiques qui accompagnent ces derniers temps, même si vous lisez dans le livre du 2e Timothée. Bible yote kunaonyesha masiku za mwisho kutakuwa mawakati ya nguvu. La Bible continue à confirmer que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Kama tunasoma mukitabu ya Timothée wa pili. Si nous lisons dans 2e Timothée. Bible nasema, la Bible dit ceci. Sura ya 3. Chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Yo akusema mashiku ya mwisho kutakuwa mawakati magumu. Amen. Amen. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Jubantu batakuwa bachoyo na barafiki ya feza. Et ainsi de suite. Na ifatayo. Vous les lirez à la maison. Mutaisoma kunyumba. Amen. Amen. Hii mashiku inatangulia kurudi kwa Yesu Kristo ni masiku ya utongozi mkubwa. Les jours qui précèdent la venue du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les jours de grandes séductions. Ndio kwa maana. Ah, pourquoi? Biblia hii kunasema. Biblia dit. Ule anajiwazia kusimama mzuri akebe ange ashimame mzuri. Que celui qui se croit être debout fasse attention de la manière dont il est debout. Tunasoma hapa mu Biblia maandiko yanatuonesha sema Israel alikuwa ni taifa ya Mungu. Et nous avons lu que les écritures nous montraient en disant que Israël était le peuple de Dieu. Na Mungu ndio alibachakula. Et c'est Dieu qui l'avait choisi. Na Mungu kama nakupenda atakupatia neno lake. Et si Dieu t'aime, il t'envoie sa parole. Parce que dans le plan du salut, neno la Mungu ndio ya kwanza. Sur ce qui concerne le salut, la parole de Dieu doit être privilégiée. Mumambo ya kiro, neno la Mungu ndio ya kwanza. Sur ce qui concerne le spirituel, c'est d'abord la parole de Dieu. Hivi tunekala hapa, tunayenga bâtiment. De la façon dont nous avons construit, nous avons payé des chaises et nous venons nous asseoir. Il y a la chorale qui est là, qui chante. Ce n'est pas ça que nous sommes venus suivre ici. Amen. Amen. Tout ça, ça nous aide seulement pour que nous puissions bien comprendre la parole de Dieu. Tout ça nous aide seulement à bien adorer Dieu d'une manière spirituelle et d'une bonne manière. Parce que Dieu nécessite une bonne adoration et une bonne croyance. Nabi anasema kama kuku kintu mzuri unapaswa kufanishia Mungu.
Le prophète dit que s'il y a une bonne chose que vous devez faire à Dieu, c'est de le respecter. C'est de le craindre. Et la seule manière de respecter le Seigneur, c'est l'adorer et le croire. Amen. Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, il doit le croire. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il doit le croire. Croire, c'est-à-dire comprendre ce qu'il dit et le mettre en pratique. C'est ce qui va montrer que cet homme, il aime Dieu. Si vous n'agissez pas ainsi, en quoi est-ce que nous saurions que vous aimez Dieu? Tout ce que nous avons ici, c'est pour la parole de Dieu. Le prophète révèle, il dit encore, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la vie éternelle. S'il y avait une chose plus meilleure que la vie éternelle, il aurait dû le lui donner. Comme cette chose-là n'existe pas, Dieu lui a donné sa parole parce que sa parole lui donne la vie éternelle. Sur la vie terrestre, Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est alors qu'il a fait la femme et il a donné ça à l'homme. Le prophète dit que dans cette vie terrestre, s'il y avait une chose meilleure que la femme pour donner à l'homme, Dieu devait la lui donner. Mais Dieu a vu que pour qu'un homme puisse être en paix sur cette terre, qu'il n'ait pas de soucis, qu'il soit fortifié, il a pris la femme et il la lui a donnée. Mais sur ce qui concerne la vie céleste, c'est la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur bien-aimés, il n'y a aucune chose qui est au-dessus de la parole de Dieu. Avant que tout ceci n'existe, d'abord était la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui a créé tout ça. Voilà pourquoi à nous la parole de Dieu, cela doit prendre la première place. Et la parole de Dieu doit beaucoup nous occuper dans notre temps. Amen. Amen. Quelque part, Nabi anasema, quelque part, prophète Ekonasema, kama mimbo inapita mingi muibada, inalabishaka ibada. Si dans un culte, on chante trop, on va abîmer le culte. Amen. Amen. Mais asemaka tashukumu aseme, kama sauti ya Mungu inazidi, italabisha makutano. Mais il n'a jamais dit que si la parole de Dieu surpassait, cela va abîmer le culte, non. Amen. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Amen. Donc nous sommes assis sur la parole de Dieu. Parce qu'à Dieu, il est important d'avoir la parole de Dieu. C'est sa parole qui sauve. C'est sa parole qui guérit. Sa parole est claire. Sa parole conduit vers la vie éternelle. C'est sa parole qui va t'enlever de la terre vers le ciel. Voilà pourquoi. Lorsque Dieu envoie sa parole vers le ciel, il l'envoie à cause de toi et à cause de moi. Et Dieu a voulu que sa parole puisse revêtir la chair. Et la parole qui s'est revêtue de la chair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui a envoyé sur cette terre pour que sa parole sauve tout homme. Voilà pourquoi la proclamation de la parole de Dieu est très importante.
Tangia angano la kale. Depuis l'Ancien Testament. Mungu alipenda neno lake itangazwe kwa Israel. Dieu avait voulu que sa parole soit annoncée à Israël. Anatuma nabi. Il a envoyé le prophète. Juu sauti yake ifikie kwa nabi. Pour que sa parole vienne d'abord au prophète. Juu Israël aishiki. Afin que Israël l'écoute. Mwangano jipya namna moja moja. Dans le Nouveau Testament, c'est de la même manière. Mungu anatuma batumishi yake tano. Dieu a envoyé ses cinq prédicateurs. Amen. Mungu analeta mabutumishi tano ya kuachana chana. Dieu a amené cinq sortes de ministères différents. Dieu anena analeta ile mabutumishi tano ya kuachana. Pourquoi il a amené ces cinq sortes de ministères différents? Dieu peuple yake shikie neno la Mungu. C'est pour que son peuple écoute la parole de Dieu. Itashikie neno la Mungu na munakani. Comment est-ce que son peuple écoutera sa parole? Itashikie neno la Mungu kupitia mahubiri ya habari njema. Il écoutera la parole de Dieu au travers l'évangile de la nouvelle de la bonne nouvelle. Kupitia mafundisho ya sauti ya Mungu. Au travers l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu komana alimwambia senendeni pale pote mkahubiri habari njema. Pourquoi il les avait dit allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Kwa kila kiumbe. À toute la création. Ula tamini na kuna kubatiziwa ataokolewa. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas sera condamné. Donc, neno la Mungu inapaswa kuhubiriwa. Donc la parole de Dieu doit être prêchée. Mungu kunaiki manjia, bantu kunayabu manjia. Dieu a ses voix et les hommes ont leurs voix. Miujiza itakokola. Les miracles ne peuvent pas te sauver. Miujiza itakupatia imani. Les miracles ne te donnera pas de la foi. Biblia nasema imani natoka mukushikia masauti ya Christ. La Bible dit que la foi vient en écoutant la parole de Christ. Hii ni manjia ya Mungu. C'est ça les voix de Dieu. Wewe kama unakatala kwa kushikia masauti ya Mungu. Si vous refusez à venir écouter les paroles de Dieu, donc vous avez choisi la voie d'égarement. Si vous fuyez et vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, donc vous aimez les ténèbres. Donc vous ne voulez pas marcher dans la lumière. Parce que si un homme marche dans la lumière, on le voit clairement. Si un homme vient écouter la parole de Dieu, il vient exposer toute sa vie à la lumière. Afin que Dieu puisse mettre cette vie au clair. S'il voit là qu'il y a un problème, il arrange cela. Mais celui qui ne veut pas venir écouter la parole de Dieu, il cache ses fautes et il veut marcher toujours dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu est la chose primordiale devant nous. La Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu insiste sur sa parole et il insiste sur ceux-là qui annoncent sa parole. Ici sur la terre, il n'y a aucun travail qui surpasse l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun travail qui surpasse l'œuvre du salut. Avant qu'une personne soit sauvée, il doit d'abord écouter, avoir annoncé la parole de Dieu. Avant qu'un chrétien puisse avoir une bonne position, il doit écouter la doctrine fondamentale. Comme nous avions entendu la prophétie nous le dire. Donc nous devons d'abord semer la semence. C'est alors que vous viendrez pour arroser toute semence. L'ensemencement de la semence se fait par l'enseignement. Et ceux qui viennent prêcher viennent seulement arroser la semence qui a été plantée. Et le prophète montre une grande différence entre l'enseignement et la prédication. Donc si vous n'aimez pas l'enseignement du Saint-Esprit, vous n'aurez pas la colonne vertébrale. Vous n'aurez pas une bonne position. Vous n'aurez pas un bon fondement, Musingi. Amen. Amen. Vous n'aurez pas de racines. Amen. Amen. Kila kintu kiote kukia mafaa
mumustari ya wokovu. Chaque chose est très important selon la ligne du salut. Amen. Amen. Kama neno la Mungu iko ya mafaa hivi. Si la parole de Dieu est tellement donc ainsi importante, na bale beko natangaza neno la Mungu banapashi kwa ba mafaa. Et ceux-là qui annoncent aussi la parole de Dieu doivent être importants. Amen. Amen. Na banapashi kubeba ile kazi na bei yote na mafaa yote. Et ils doivent prendre ce travail avec toute leur sérieuxité. Voilà pourquoi Israël a fait kitu kibaya. Voilà pourquoi Israël avait mal agi. Ju Israël, parce qu'Israël, Mungu alimtumia manabii. Dieu lui avait envoyé des prophètes. Israël anaua manabii. Israël a tué les prophètes. Ça vient tout nasoma mugitabu ya Matthieu. Comme nous venons de lire dans le livre de Matthieu. Où ni Jésus Christ est qu'on asema. C'est Jésus lui-même qui parle. Il parlait aux pharisiens et aux scribes. Vous les pharisiens, devant les yeux des hommes, vous paraissez être juste. Mais en vous, vous êtes des hypocrites. Amen. Amen. Jésus a beaucoup réprimandé cela. Jésus a beaucoup réprimandé l'hypocrisie. Munafiki ni muntu ule kuna masura mbili. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a deux faces. Eko na malurimi mbili. Il a deux langues différentes. Inje lurimi ingine, inje uso ingine, muro eko na lurimi ingine na masemo ingine. Au dehors, il a un autre langage, une autre face, et à l'intérieur de lui, il a encore d'autres choses. Njo ule banaita seme munafiki. C'est celui-là qu'on appelle hypocrite. Ni kitu mubaya sana maisha ya kiroho. C'est une chose très mauvaise dans la vie spirituelle. Mukristo enekwa munafiki hapa. Un chrétien ne peut pas être hypocrite. Mutu mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu enekuya na maisha mbili. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas avoir deux vies différentes. Maisha ya zamani inesha kwa kupotea. La vie ancienne est déjà disparu. Il est né de nouveau et il devient un homme spirituel. Voilà pourquoi Jésus était en train de gronder ses scribes et ses pharisiens. Pourquoi? Au dehors, ils paraissaient comme s'ils aimaient les serviteurs de Dieu. Mais que dans leur cœur, ils les haïssaient. Là, tu n'entreras pas au ciel. Le prophète disait que Dieu m'a donné un message à annoncer. Je dois l'annoncer. Comme Dieu me l'avait donné. Car si je n'agis pas ainsi, je serai hypocrite devant les yeux de Dieu. Maintenant, je ne vais pas être condamné ou jugé en tant qu'hypocrite. Que Dieu me juge sur d'autres fautes. Au lieu de paraître un hypocrite devant la face de Dieu ces jours-là. Un autre hypocrite, c'est qui? C'est celui-là dont Dieu lui demande d'aller dire quelque chose. Dieu lui donne les paroles qu'il faut aller annoncer. Mais lui, il arrive devant les gens et il change ses paroles. Afin qu'il soit loué par les gens. Amen. Afin qu'il puisse avoir la popularité. Afin qu'on puisse bien le recevoir. Saint Paul dit, si nous devenons des prédicateurs qui plaisent aux gens, comment est-ce que nous serons des serviteurs de Dieu? Vaut mieux plaire à Dieu, mais que les hommes te haïssent, que vous puissiez plaire aux hommes, mais vous brisez la parole de Dieu. C'est celui-là dont on appelle hypocrite. Il est qui tout? Bible na yukum. Cette chose-là est condamnée par la Bible. Jésus dit à ces juifs-là, Israël, mwenye Mungu alichakula, celui-là dont Dieu avait choisi lui-même, mwenye Mungu alipatia mangano na malako, celui dont Dieu avait donné ses préceptes et ses alliances ainsi que ses promesses. Ça veut tunasoma ndani ya Biblia. Comme nous venons de les lire dans la Bible. Mwenye Mungu tukunaamini na kuwa na kuhubiri ana Mungu wetu hapana. C'est Dieu dont nous prêchons et nous avons cru. Il n'est pas notre Dieu d'abord. Ni Mungu wa Israël. C'est le Dieu d'Israël.
Wakati Yesu anazungumzia na mke msamaria. Lorsque Jésus conversait avec la femme samaritaine. Anamwambia aseme. Il lui avait dit. Mwa muyue Mungu. Vous ne connaissez pas Dieu. Mungu nabudu ule Mungu amuyu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Chetu kunabudu Mungu ule tunayua. Nous adorons ce que nous connaissons. Ju Mungu wabu alijifunula kwa Abraham, Isaac na Jacob. Parce que leur Dieu s'était révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Boba niwezo kuita ule Mungu aseme Mungu wa baba yetu. Et il pouvait appeler ce Dieu là les dieux de nos pères, les dieux de nos ancêtres. Nous, nos ancêtres n'ont pas Dieu. Ils ne nous ont pas légué un Dieu. Donc, malako, mangano, mabaraka, biote ni bia Israël. Donc, les promesses, les alliances ainsi que les bénédictions appartiennent à Israël. Nous, c'est par grâce que nous nous sommes retrouvés dans ce plan du salut. Maintenant, le Dieu, il est Dieu d'Israël. Mungu anaweza kuita sema Israel mon peuple. Il peut appeler Israël taifa yangu. Israël anasema l'Éternel est mon Dieu. Israël lui aussi il dit que wamilele ni Mungu wangu. Mataifa itasema vile. Les nations ne peuvent pas dire cela. Mungu alipenda sana Israël. Dieu avait tant aimé Israël. Na Mungu alipatia Israël wokovu. Et Dieu avait donné à Israël le salut. Na kuna namna nyingine ya Mungu kupatia wokovu. Inje ya neno lake. Et il n'y a aucune autre manière que Dieu vous donne le salut si ce n'est qu'au travers sa parole. Sasa wakati Mungu alikuwa na neno lake anapatia Israel. Mais lorsque Dieu était venu avec sa parole et lui a donné à Israël. Israël a kuchunga neno lake na batumishi menia kupapenda pa. Israël n'avait pas gardé la parole et il n'avait même pas aimé les serviteurs. Na tunayua seme ujumbe wakati tunaamini. Et nous croyons que ce message de ce temps dont nous croyons. Ni ujumbe ya unabii. C'est un message prophétique. Ni ujumbe kuna c'est un message qui nous dit que le même Dieu qui a conduit Israël, c'est le même Dieu qui nous conduit aussi. Et ces paroles nous révèlent en disant Israël était seulement l'ombre parce que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, tout ce qui était arrivé dans l'Ancien Testament à Israël, c'était à nous que Dieu écrivait cela. Amen. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 10. Sourate Akumi. Verset 6. Commençons par le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont dit. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns entre eux. Selon qu'il est écrit, les peuples s'assirent pour manger et pour boire. Taifa irikala njuu ya kula na kunywa. Puis ils se levèrent pour se divertir. Na bakashima manjuu ya kwanza kucheza. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux. Tushijitowe kuzinifu sabu moja katikati yabo. Ils se livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Barijitowa mwile namna bakanguka 23 000 mumashiku moja. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux. Tushimupime bwana savile mumoja katikati yabo bari mupima bwana. Qui périrent par les serpents. Na bakakufa kupitia banyoka. Ne mirimire point. Mushi seme chini chini. Comme mirimirèrent quelques-uns d'eux. Sava bengine vile baranza kusema chini chini. Et qui périrent par l'exterminateur. Na bakakufa kupitia ule muwaji. Ces choses leur sont arrivées. Ibi bintu biri pour servir d'exemple, et ils ont été écrites à notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, ule anazani ya kusema shakushimama, prenne garde de tomber. Akebe angi ashanguke. Amen. Amen.
Insensible. Sur ce qui concerne la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être insensible. Vous êtes là, on prêche la parole de Dieu, vous êtes insensible, cela ne vous concerne pas. La Bible dit que celui qui se croit être debout, qu'il fasse attention. Amen. Amen. Si vous vous croyez être bien debout, prenez garde, ne tombez pas. Ces choses furent écrites pour notre exemple. Afin que nous puissions marcher correctement. Que nous ne puissions pas mal marcher comme eux ont marché. Que nous puissions avoir de bons désirs. Que nous ne puissions pas avoir de mauvais sentiments comme eux, ils en ont eu. Ça montre que ce qui était arrivé à Israël, c'était un exemple à nous. Voilà pourquoi il ujumbe ni ujumbe ya unabii. Voilà pourquoi ce message c'est un message prophétique. Et on est tourné chez le Mungu alitembea na Israël. Cela nous a montré comment est-ce que Dieu a échelonné avec Israël. Et on est chez le Israël alitembea na Mungu. Cela a montré comment est-ce qu'Israël a vacillé avec Dieu. Mankosa yote Israël a difanya Mungu ashitufiche. Tout ce qu'Israël avait fait comme faute, Dieu ne nous a pas caché cela. Yote. Dieu nous a tout révélé. Mungu wa mwangano la kale. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, Yesu Christu mwangano jipi. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Mungu aliongoza Israël sa jeshi yake. Le Dieu qui a conduit Israël comme son armée. Mungu anaongoza bibi harusi sa kanisa yake leo. C'est le même Dieu qui conduit l'épouse comme étant son église aujourd'hui. Kwa vile Mungu alipenda Israël anamutumia manabii. De la même manière que Dieu avait envoyé Israël et il lui avait envoyé des prophètes. C'est de cette même manière que Dieu aime l'église d'aujourd'hui et lui a envoyé des prophètes. Ceux-là qui croient que le temps des prophètes est déjà dépassé, ils sont en erreur. Mungu wetu ni Mungu Abraham, wa Isaac na Jacob. Notre Dieu, il est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Manje yake a changé. Ses voies ne changent point. Bila rifanya na bakwanza na leo unaendelea kubifanya. Ce qu'il a fait avec ceux de l'Ancien Testament, et aujourd'hui il continue à faire de même. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Dieu qui a œuvré dans l'Ancien Testament, c'est celui-là qui continue à œuvrer dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'il changera? Amen. Amen. Si vous voyez que les situations d'aujourd'hui vous compliquent, l'Ancien Testament. Ouvrez l'Ancien Testament. Regardez de la sorte dont Dieu a travaillé dans l'Ancien Testament. Vous verrez que cela vous redresserait. Si la situation d'aujourd'hui devenait difficile, regardez les débuts de l'église dans le Nouveau Testament. Pourquoi batumishi? Il y avait des serviteurs. Pourquoi makanisa? Il y avait des églises. Pourquoi usao? Il y avait l'ordre. Mungu alitumika ji. Comment est-ce que Dieu avait œuvré? Manabii balikuya. Il y avait des prophètes. Bamitume balikuya. Il y avait des apôtres. Bakupasha habari njema balikuya. Et même les évangélistes étaient là. Bachungaji balikuya. Les pasteurs existaient déjà. Chuna bang balitumika je. Comment est-ce qu'ils avaient travaillé? Bariongoza je makanisa. Comment est-ce qu'ils avaient conduit les églises? Amen. Amen. Nakumbuka neno moja hapa. Mungu anatupenda sana. Dieu nous aime beaucoup. Pour parler sur l'ordre de l'église, l'ordre montre de la façon dont Dieu travaille. L'ordre montre de la façon dont Dieu est en train de mettre chaque tâche à sa place. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez trouver dans une assemblée locale, il y a des discordes entre les prédicateurs et les anciens des églises. C'est le manque de ne pas écouter la parole de Dieu. Parce que tout le monde aujourd'hui a un but pour lequel il est venu dans les plans du Seigneur.
Hamwezi kuingia mkazi ya Mungu na ambition. Vous ne pouvez pas entrer dans l'œuvre de Dieu en ayant des ambitions. Unapaswa kuingia mkazi ya Mungu na ambition moyo juu ya wokovu ya manafsi ya baba. Vous devez avoir des ambitions, c'est pour le salut des âmes. Unapaswa kuhubiri neno la Mungu juu ya kufukuzio moyo ya manafsi yokolewa. Vous devez prêcher la parole de Dieu avec un seul but, que les âmes soient sauvées. Ibi biote biko nafata nyuma. Et le reste vient après. Amen. Amen. Leo aujourd'hui, ce sont les gens qui se tiraillent. Tu arrives-t-elle pas? Ce sont les prédicateurs et les anciens qui sont en discorde. Tu arrives d'autre part. Vous trouvez les prédicateurs entre eux, se disloquent. Amen. Amen. La parole de Dieu n'a pas commencé chez nous. Mungu ashikuanza kutumika kuanzia kwetu. Dieu n'a pas d'abord commencé à travailler d'abord chez nous. Mungu alianza kutumika kazi yake kuanzia mwangano la kale. Dieu a commencé à œuvrer premièrement depuis l'Ancien Testament. Umu mwangano jipi? Ici dans le Nouveau Testament. Nous sommes les derniers. Namuna yashe kutumika mzuri. Pour que nous puissions bien travailler, nous nous référons à l'Ancien Testament. Nous nous référons aussi au début de l'Église. Les Écritures disent, je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra ramener la foi de l'Église. Que ce soit comme la foi primitive. Au début de l'Église, Pierre avait travaillé. Saint Paul a travaillé. Saint Paul avait œuvré. Timothée a travaillé. Timothée avait travaillé. Tite a travaillé. Tite avait travaillé. Amen. Barnabas a travaillé. Barnabas aussi. Mungu batumishi umu. Il y a des serviteurs ici. Na banamuke batumiki. Même les servantes avaient travaillé. Mungu anasema nitamwanga roho yangu yulu ya bafanyakazi yangu banamuke na banaume. Dieu avait dit que je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Ju muntu yote una roho mtakatifu. Afin que tout celui qui aura le Saint-Esprit, c'est un serviteur dans la maison de l'Éternel. Il y a des divers dons. Amen. 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 Mais à ce qui concerne la prédication, Mungu anaita Moïse. Dieu a appelé Moïse. Anamwambia Moïse. Il lui dit, Moïse, toi-même, tu vas te fatiguer. Na utachokesha bantu. Et tu vas même apesantir le peuple. Ils ne peuvent pas en train d'attendre seulement toi, Moïse, du matin jusqu'au soir. Chutachoka na bantu watachoka. Tu vas te fatiguer ainsi que le peuple. Weka basé. Établis les anciens. Bakukusaidia mukazi. Pour t'aider dans l'œuvre. Amen. Amen. Djogule mambo ya buzeri anzie. C'est là que l'affaire des anciens a commencé. Dans l'Ancien Testament. Amen. La Bible dit, Dieu, il a dit à Moïse, prie pour eux. Moïse a prié pour eux devant Dieu. Dieu a pris le même esprit qui était sur Moïse. Amen. Et il a déversé ça sur les anciens. Amen. Ils ont regardé en Moïse. Son esprit ne s'était pas déversé, diminué. Et Dieu te bénisse. Amen. 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 Si une personne a des choses et il vous donne, là, il sera diminué. Parce qu'il t'a donné. Mais à Moïse, ce n'était pas ainsi. Amen. Dieu lui a dit, établis les anciens. Afin que tu ne sois pas fatigué. Si tu es seul, la charge sera trop lourde. Amen. Moïse est allé et il a établi les anciens. Il a prié pour eux. Le même esprit qui était sur Moïse, c'est le même esprit qui fut répandu sur les anciens. Et ils ont commencé à prophétiser comme Moïse prophétisait. Et ils ont vérifié à Moïse. Son esprit n'était pas diminué. Il était resté avec le même esprit. Qu'est-ce que Dieu enseigne au travers cette histoire? Amen. Amen. Dieu commence son œuvre avec un ministère. Amen. Amen.
La parole de Dieu doit être prêchée. Ça doit être un ministère ou divers prédicateurs. Dieu peut envoyer un serviteur, deux ou trois serviteurs. Car c'est Dieu qui les avait envoyés en disant, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Quand il parlait cela, il ne s'adressait pas aux anciens. Là, il n'y avait pas des anciens. Il y avait seulement Dieu et ses serviteurs. Amen. L'œuvre de Dieu a commencé. Et ça, l'œuvre de Dieu a évolué. Et Dieu lui dit qu'il est temps que tu établisses les anciens. Il a établi les anciens. Et eux tous ont eu le même esprit. Un même langage. Une même foi. Un seul objectif. Si les gens ont de telles nuances, ils doivent s'aimer. Amen. 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 Comment est-ce qu'ils vont se tirailler? C'est l'œuvre de Dieu. Chacun a sa tâche particulière que Dieu lui a donnée. Comment est-ce que vous allez vous tirailler? Arrivé maintenant dans le Nouveau Testament, les choses n'ont pas aussi changé. Le même Dieu de ses serviteurs, ils ont prêché et l'œuvre de Dieu a commencé. L'œuvre de Dieu a évolué. Dieu était descendu. Amen. Il dit que je travaille aussi avec les anciens. Sur l'assemblée locale. Qu'il pleut, qu'il neige, il doit y avoir des anciens. Amen. Vous allez voir quelqu'un œuvrer pendant aussi longtemps dans son église et qu'il n'y a pas des anciens. Ce n'est pas comme ça que Dieu a dit. Comment est-ce que l'église sera conduite? Selon Dieu, il doit y avoir des anciens dans cette église-là. Amen. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Et tout constitue le corps de Christ. Et la tête qui conduit ce corps-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que l'église, c'est le corps de Jésus-Christ. La tête de ce corps, c'est Jésus-Christ. Tout travaille dans l'amour, dans l'accord, dans l'unité. Pour la gloire de Jésus-Christ. Pour l'honneur de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est de cette manière que Dieu travaille. Pourquoi nous disons? Dieu a travaillé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu a œuvré au début. Le même Dieu qui a commencé son œuvre au commencement, il veut aussi achever cette œuvre ici à la fin. Mais il achève cette œuvre avec sa parole. Tout le plan du salut est dans la parole de Dieu. Amen. Un vrai chrétien. On ne les reconnaît pas par l'intelligence ou la sagesse. Un vrai chrétien, on le reconnaît par sa position dans la foi. Parce que la foi, c'est une révélation. Pourquoi nous insistons tant sur la parole? C'est parce qu'Israël avait rejeté la parole. Il avait rejeté les prophètes. Amen. Amen. Il était arrivé un temps en Israël. Si vous venez leur parler du prophète, ils ne veulent plus entendre cela. C'est comme si vous les insultez. Nous sommes dans les temps de prophètes. Comment est-ce que nous allons haïr le prophète? Ce message que nous avons, c'est un message prophétique. Nous sommes bâtis sur la promesse de Malachie chapitre 4, verset 5. C'est une promesse pour recevoir un prophète. Amen. Amen. C'est la première des choses que nous devons savoir. Celui dont Dieu a envoyé pour aller dire à l'église, sortez du milieu de moi. Séparez-vous d'eux.
Mushiguse bichafu. Ne touchez pas ce qui est impur. Ni nabi. C'est le prophète. Amen. 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 Njo ujumbe mkifupi. C'est ça le message en conclusion. Mutokeni katikati yabo. Sortez du milieu de mon peuple. Mutengane nabo. Séparez-vous d'eux. Mushiguse bichafu. Ne touchez pas ce Njo qui est impur. C'est alors que je vous accueillerai. Utakuya bibi harusi. Vous serez une épouse. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas l'épouse. En conclusion, c'est ça le message. Sortir du milieu de quoi? C'est sortir du monde. Sortir des dénominations. Sortir des organisations humaines. Sortir dans toutes les coutumes. Amen. Amen. Mubiti yote ma système abantu ya dunia munatoka mu. Sortez dans les systèmes humains, dans les systèmes mondains, sortez-y. Aïre pa kutoka pa. Ce n'est pas seulement sortir. Ni kutoka na kutengana na. C'est sortir et se séparer de ça. Kisha kutengana. Après avoir se séparé. Unaanza kusopa ushiguse bintu bichafu. Mumwili na mukiro. Vous commencez maintenant à veiller de ne pas toucher à ce qui est impur, que ce soit charnellement ou spirituellement. Kuku bintu bichafu mukiro. Il y a des choses souillées spirituellement. Amen. Kuku bintu bichafu mumwili. Il y a aussi des choses souillées dans la chair. Unatengana nabi. Vous devez vous séparer de ça. Biblia nasema juu ya kwenda. La Bible dit pour aller. Ni kutengana nabi. Pour bien partir, il faut se séparer de ça. De Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Chapitre 6. Sura ya kiasita. Verset 15. Musari ya kumina tano. Quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? Ni upatano kani uko katikati ya Kristo na Belial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Wala ni sehemu kani iko katikati ya mwaminifu na ule asiamini? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Upatano kani iko katikati ya hekalu ya Mungu na masanamu? Car nous sommes les temples de Dieu comme Dieu l'a dit. Jushi et tuko hekalu ya Mungu mujima. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute suite de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En conclusion, c'est ça le message du temps de la fête. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a point de salut. Et la parole de Dieu doit être annoncée. Et vous devez laisser que la parole de Dieu soit prêchée. Et vous qui annoncez la parole de Dieu, vous devez être appelé de Dieu. Vous devez avoir le don de Dieu afin d'annoncer la parole de Dieu. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit que je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a sauvés. Si Dieu envoie sa parole, c'est pour que ça donne le salut. C'est pour que ça guérisse. En dehors de sa parole, il n'y a plus possibilité. Pour que nous puissions comprendre sa parole, il faut nabi. Il faut qu'il y ait un prophète. Comme on a tout pas nabi, si vous rejetez le prophète, sachez que vous avez agi comme Israël avait agi. C'est ce qui a été la plus grande faute d'Israël. Depuis l'Ancien Testament jusque même dans le Nouveau Testament, il a dit, je vous envoie des prophètes. Vous avez tuer les autres, les uns. Vous avez refusé les autres. Mais comme un nabi a nakufa, et si un prophète mourait, vous allez là, vous faites une bonne mausolée pour lui. Vous blanchissez ce tombeau-là. Amen. Amen.
Jusqu'à ce que Jésus était arrivé. Jérusalem, Jérusalem. C'est lui qui leur disait, Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tues le prophète. Et tous les serviteurs que Dieu t'envoie. C'est Jésus qui disait ça à Israël. C'est dans le Nouveau Testament. Israël a fait ce qu'Israël a fait dans l'Ancien Testament. Il a même comblé cela dans le Nouveau Testament. Il a rejeté la parole. Il a même refusé le Dieu qui l'attendait. Jésus a dit, combien de fois j'ai voulu rassembler Israël. Comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu n'avais pas voulu Israël. Jésus était prophète. Et il était Dieu des prophètes. Israël a dit non. Va prophétiser ailleurs. Voilà pourquoi. Ceux-là qui ont la charge de surveiller les églises locales. Ils ont encore la charge. De mettre des serviteurs pour que le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu. Car si la parole de Dieu n'est pas prêchée, comment est-ce que les enfants de Dieu arriveront à la perfection? Comment est-ce que cette sœur aura le Saint-Esprit si la parole de Dieu n'est pas prêchée? Comment est-ce que ce frère-là sera délivré si la parole de Dieu n'est pas prêchée? Comment est-ce que celui-là naîtra de nouveau si la parole de Dieu n'est pas prêchée? Si la parole de Dieu n'est pas prêchée, tout le plan de Dieu devient bloqué. Voilà pourquoi il ne doit pas y avoir la guerre entre les bergers et les prédicateurs de la parole de Dieu. Faire cela, c'est mettre des bâtons dans les roues concernant la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer demain. Il est temps. Que Dieu vous bénisse.